patron ne regardait Bédouard, ni le clavier, ni la musique. Je le regardais lui. J'éclatais de rire parce qu'il aime beaucoup de chansons comiques. Son tour de chant était surtout basé sur le comique, sur le côté Titi parisien, vous voyez. Fantasy, d'ailleurs, on l'appelait le fantaisiste, Maurice National, fantaisiste. Partenaire de la scène, Henri Betti reste aujourd'hui l'un des plus grands témoins de Maurice Chevalier. Il fut pendant plus de 5 ans, 24 heures sur 24, son accompagnateur, son compositeur, son compagnon de route et son confident. Lui, ce qui l'intéressait, c'est d'être pas le champion, le campionissimo, le champion des champions. Ce qui était vrai, en somme. Henri Betti a composé une cinquantaine de chansons pour Maurice Chevalier, ce baladin de la chanson française qui aurait pu fêter demain son 100e anniversaire. Oh, c'est si beau, et si nous nous aimons, cherchez par la raison. Parce que c'est trop bon.